Et coucou tout le monde! On se retrouve pour un nouvel épisode de Stardew Valley. Donc c'est parti! Alors on a un courrier, on a des choses à récolter, nickel. Hop, je sais plus ce qu'il nous faut pour. Mince, comment ça s'appelle? Le centre communal, je cherchais le mot. Donc le melon, je crois qu'il nous en faut. Tomate aussi, je crois. Mais je suis pas certaine de mon coup. Faut pas oublier, on est déjà le 20, donc je sais plus combien il y a de jours. Donc on va bientôt passer à l'automne. Hello, je rassemble des données sur la corrélation entre l'alcalinité du sol et le taux de fructose des plantations. Pour faire simple, j'ai besoin d'un melon frais de ta ferme. Si tu m'en apportes un, je t'en serai reconnaissant, Démétrius. Eh, nickel, en plus on va récolter notre melon. Eh, tout est bon, les amis. Ah oui, on avait mis quelque chose là-dedans. Non, 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 c'est pas ce que je veux. Hop. Pourquoi? C'est pas encore fini ça? Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller voir Démétrius direct. On n'a pas beaucoup d'argent. En allant voir Démétrius, vu qu'on va passer à côté d'une sorte communale, on va déposer tout ce qu'on a à déposer, les amis. Et voilà, ce sera déjà pas mal, je pense, du coup. Hop, allez, c'est parti, on y va. On est good. Allez, allez, avance, 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 petit bonhomme. Allez. Donc, il nous faut 10 000 pour faire la cuisine, je crois. Ah non, c'est pour faire la maison, mais pour la cuisine, c'est peut-être moins cher. Eh ben, on va en profiter pour aller voir Robin en même temps. Démétrius est avec Robin, donc on devrait pouvoir s'en sortir, je pense, les amis. Le centre communal, donc nickel. On va y entrer. Hop. Normalement, il nous faut des trucs. Hop, hop, hop. Salut! Salut la compagnie! Donc, c'est pas ici. Ici non plus, décidément. C'est pas là. Là, c'est fini. Ah bah, il nous en faut pas, sérieux? Et je pensais qu'il nous en fallait des trucs comme ça. L'ardisie. Mais les gars, j'étais persuadée qu'il nous en fallait. Pourquoi mon cerveau a-t-il pensé cela? Est-ce que c'est ailleurs qu'on nous demande des denrées? Parce qu'il me semblait, franchement, les amis, qu'il y avait un truc. C'est ça qui est galère, hein. C'est que. Ah, c'est peut-être ici, voilà. Alors, ça, c'est des trucs qu'on fera quand on aura la cuisine. C'est une pomme qu'il faut, ok. Yes. Un melon. Ah, j'en ai déjà mis un. Eh, cruche, tomate. Forcément que ça marche pas. J'ai quoi sur moi d'autre d'ailleurs? Non, ça je vais pouvoir le vendre. On passera chez Pierre après. Hop! Allez, c'est parti. On va aller voir Démétrius et on va aller voir Robin pour voir combien coûte la cuisine. Parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse cuisiner. Parce que franchement, ça devient la galère au niveau de l'énergie chaque fois qu'on arrose. Et si je voudrais progresser dans la grotte et en même temps progresser au niveau des plantations, bah j'ai pas le choix, il me faut plus de bouffe. Alors, c'est parti. Yes, on arrive tout pile poil chez Robin. C'est parfait. Non. Je veux rentrer chez Robin. 9h21. Ah, il est 8h40, ok. Alors, est-ce qu'on va voir Démétrius dans le coin? Démétrius, t'es où? Faut que je te parle. Démétrius, t'es où? Où est-ce qu'il est passé, ce bonhomme? Eh hey mec, t'es passé où? Donc là, on est chez Monsieur Linus. Il est 9h10, ça va, nickel, vous voyez. Ah bon, Sébastien. C'est pas ça. Animaux, nana, nana. Alors, s'il vous plaît, non? Mais c'est pas ça que je veux, c'est la cuisine. Alors, comment on fait? Il faut à tout prix faire la maison d'abord?
Je peux agrandir ta maison et y ajouter une cuisine. Ah, ok, donc c'est les deux ensemble. Donc 10 000. Et 450 de bois, ok. Bon, bah écoutez, on fera ce qu'il faut, on n'a pas le choix. Par contre, Démétrius n'est pas là et pourtant, j'étais persuadée qu'il était avec Robin. J'espère qu'on ne mange pas de ragoût de champignons ce soir. Bon, ok, je peux pas lui parler davantage. C'est ça qui est galère, il y en a, ils sont pas loquaces pour deux sous ici. Alors, où est-ce qu'il est, Démétrius, là? On va courir à partout après lui, quoi. Enfin, c'est horrible. Alors, on va regarder. Ah, champion rouge, j'en ai pas. Hop, salut toi! Bah, pourquoi j'arrive pas? Salut Pierrot! Pourquoi ça marche pas? Ah, ça y est! Hop, 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 hop. Eh, pas mal, pas mal, pas mal, les amis. Alors, vu qu'il faut qu'on trouve Démétrius et il faut qu'on aille voir Marnie également pour lui donner du quartz, parce que c'est un des trucs qu'elle aime bien, donc ça permet de rajouter 40%, je crois, à notre amitié. Donc, c'est de rigueur pour pouvoir récupérer le caleçon de Lewis. Donc, on va passer à la plage pour aller voir s'il y a des choses qui traînent, parce qu'il nous faut les 10 000 de gold. Ah, il y a... Je crois que c'est Alex. Ouais, c'est ça. Je sors un barbecue. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un burger? Le gars accro au burger. Hop. Alors, il n'y a rien qui traîne ici de ce côté-là, apparemment. J'espère vraiment qu'on va réussir rapidement à récupérer le caisson de Lewis et qu'on va trouver Dimitrius parce que ça serait dommage. Parce qu'on a combien de temps pour faire la quête? C'est pas écrit. Donc, c'est perturbant là, les amis. Hop. Est-ce qu'il y en a d'autres de trucs qui traînent ou pas? Non, ça n'a pas été riche aujourd'hui. Ok, donc c'est parti. Donc Démétrius, purée, où est-ce qu'il peut être ce gars? Parce que j'ai le melon, mais si je le trouve pas, ça me sert à rien d'avoir un melon. Ah, il y a Elliot. Je parle avec tout le monde. Le soleil est en colère aujourd'hui, ma peau est un peu trop délicate. J'en ai peur. Ok, un échange et c'est tout. Moi bien. Moi bien, on va passer là. Mais où est-ce qu'il est, Démétrius, sérieusement? Ah, il y a Penny. Bonjour, les montagnes sont belles aujourd'hui, non? Papa va bientôt revenir. J'espère qu'il va me rapporter des jouets. Ok, bon. Alors, je ne vais pas parler à plus avec Penny. Donc, Démétrius, où est-ce qu'il est, bon sang? Bah, on va retourner à la ferme, vous savez quoi? Je vais arroser les plantations. Et je vais retourner chez Robin après parce que clairement il faut qu'on le voie. Parce que là, l'item, on l'a. Enfin. Ah non, je l'ai tout vendu! Mais my god! Les gens! Je suis bête ou pas? Ils vont. Et je sais pas quand est-ce qu'ils vont pousser ceux-là. Oh punaise. Oh, je suis dégoûtée. Bon, bah, je vous laisse vite fait. J'arrose tout ça. Les amis, j'ai tout arrosé au niveau de l'énergie, ça va. Bon, en même temps, j'ai pas mis beaucoup, beaucoup de trucs. Tac, les petites poulettes, bon, bah, elles vont bien. Est-ce qu'elles ont encore à manger? J'aimerais vraiment qu'on puisse leur donner à manger, ça serait fun de leur donner direct. Alors, il n'y a rien. Donc, on va y voir dans la grotte. Par contre, ah oui, purée. Je regrette, les amis. Je me suis foirée. J'ai tout vendu. Ah, nickel. L'ardisie, nous en fallait pour une quête. Peut-être même une prune, d'ailleurs. Hop, c'est parti. Donc, par contre, ça ne me dit pas comment on va faire pour avoir les champignons pour la quête. Ça, c'est un peu problématique, on va dire. Donc, combien on a de foin dans le stockage, là, au juste? Et on peut pas en prendre, non? Parce que je crois qu'il en faut pour la quête. Décidément, aujourd'hui, c'est un peu problématique, là. Oh, punaise. Je m'en veux, les amis. Je m'en veux de m'être foirée, d'avoir tout vendu. Hop, on en prend juste deux. Alors, donc, dommage. Donc, oui, ah, faut que j'aille voir Marnie. C'est ça qu'il faut qu'on fasse.
Alors, c'est pas là-dedans. Là, on en a encore. Donc ça va, du quartz, on en a encore, c'est plutôt cool. Donc, on va descendre voir Marnie, c'est parti. Hop! Allez. Alors, est-ce que je vais réussir à facilement passer? Non, comme d'habitude. Hop. Allez. Eh, c'est vraiment problématique cette histoire. Hein. J'arrive pas à me repérer. Hein. Non, c'est plus par là du coup. Oh là là, la bordure. On risque pas de louper la sortie. Hop, c'est parti. On va aller voir Marnie. Parce qu'il faut vraiment qu'on récupère le caleçon de Lewis. Et j'espère que mes melons vont vite pousser. Histoire qu'on puisse faire la quête avant que Dimitrius bah, nous l'enlève. Ça serait dommage. Ouverture 9h-18h. Oh, il est 18h10, mais c'est pas vrai. Ça passe trop vite là dans ce jeu, c'est vrai. Donc, vous savez quoi? On va continuer de déblayer la propriété. Et j'aurais perdu une journée avec Marnie. C'est ça qui est bête. Mais bon, écoutez, hein. C'est la vie. Hop. Alors, c'est parti. On va essayer de. Ah, nice! On a un truc à notre récupérateur de sève. Hop, c'est parti. Résine de chêne. Ok, je sais pas trop à quoi ça va nous servir, les amis, mais écoutez, on l'a. C'est parti. On va déblayer un peu. Ah, c'est bon. Donc là, il y a de la roche. Donc hop. Ah, il y a encore un tronc, bah, voire du bois massif. Donc pour certaines recettes, on en a besoin. Donc c'est plutôt cool. Ouais, on va essayer de dépenser notre énergie, histoire que voilà, ça serve. Et dès qu'on peut, on va voir Marnie. Donc ça ouvre à 9h. Donc il va falloir attendre. On va casser un pain, comme ça on aura peut-être de quoi faire. De quoi gagner de l'énergie, pardon. Donc 10 000 gold. Donc ça va être chaud. Ça va prendre du temps. Mais il y a moyen, les amis. Il y a moyen, il y a moyen. Alors, on prend ça. C'est parti. Ouais, donc on va pas s'embêter plus que ça ici. Donc, ouais, on va déblayer ici. J'ai pas envie de mettre beaucoup de plantations parce qu'en vrai, on va bientôt approcher de la fin de l'été et après, on pourra plus avoir nos récoltes. Donc, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour remettre des choses, vous voyez. Parce que sinon, après, ça va être gâché. Donc, ce serait dommage. Hop, il y a encore des arbres ici. On va en profiter. Il est que 21h. On a encore de l'énergie. Hop, on va en profiter. J'adore. Il y a des petites lucioles et tout. Franchement, le jeu est vraiment cute. C'est vraiment trop bien. Ah, il y a même d'autres petits arbres qui vont pousser. Donc, c'est plutôt bien. Hello, vise bien, bon sang de bonsoir. Hop. Hop là. Ça, c'est good. Allez. Bon, écoutez, on a presque plus d'énergie. On va aller dormir, vous savez quoi? Par contre, je me demande vraiment comment ça produit ce truc. Alors, 450 de bois, j'avais dit. Donc, il va encore falloir pas mal. On a du bois massif, donc ça, c'est plutôt bien. Donc, est-ce qu'on a de quoi faire? Ah, yes, on a de quoi faire le truc. Donc, le pommier, je l'ai pas encore mis parce que je ne sais pas comment on fait. Et je me dis que, vu la date à laquelle on est, c'est pas très judicieux, je pense. Preuve artisanale, une substance collante. Et... il faut peut-être la donner au niveau du centre communal. Alors, je vais la garder sur moi. Oui, on fait dodo. C'est parti! Alors, combien ça nous a rapporté? Ouais, 100. Bon, écoutez, c'est mieux que nada, j'ai envie de vous dire. Donc, 10 000 qu'il va nous falloir de gold. Donc, il va pas falloir blaguer, les amis. Alors, c'est parti. Nos piments. Ah, nice, on a des baies. Ah, des myrtilles, il nous en faut, je crois. Alors, donc, une petite ellipse le temps que j'arrose et je vous reprends à spray, les amis.
Les amis, c'est good. J'ai tout simplement arrosé tout ce qu'il fallait arroser. Hop. Donc ça, le... Non, la baie, je pense qu'il m'en faut une pour le centre communal. Donc j'ai envie de la garder. Ça... Alors ça, c'est pour le centre communal. Ça aussi, je crois qu'il m'en faut. Tout ça. Non. Je vais mettre à vendre. Alors voilà, c'est parti. Donc on va direct voir Marnie. C'est parti. Hop. On est go. Ah, une autre truc. Ah, on n'a pas les mêmes... Ah, on n'a pas la même chose. C'est cool ça. Le sirop d'érable, c'est pareil. Je crois qu'il nous en faut pour les quêtes. Ah bah écoutez, nice les amis. On va avancer sur les quêtes du centre communal. Moi, je dis pas non, hein. C'est cool. Hop. Eh, je vais finir par m'en souvenir un jour du chemin, les amis. Ça fait plaisir. Hop. Allez, on y go. Hop, hop, hop. Oh, mais il est 9h30, on a juste eu le temps d'aller chez Marnie. Salut Marnie! Comment ça va, cocotte? Merci. Salut, c'est bon de te voir. N'hésite pas à nous rendre visite quand tu en as envie, hein. Ouais, t'inquiète, je t'harcèle assez souvent, Marnie, je crois. Alors, tant qu'on n'a pas récupéré le caleçon de Lewis. Ah, on a un cœur avec Marnie. Vous n'êtes pas assez amis avec Marnie pour rentrer dans sa chambre. Ah, dommage. Oh, les amis, on a notre premier cœur avec Marnie, écoutez. On va continuer à lui donner du quartz, on va l'appâter comme si c'était un poisson et ça va le faire. Ah, c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va aller à la mine, je pense. Enfin, à la mine. Aussi, oui, à la mine, je suis bête. C'est bien ça. Donc, on va aller au centre communal et... attendez. On n'a jamais vraiment exploré. Eh, il y a un spa. On va aller au spa en allant à la mine. Quoique, il est déjà 10h20. Bah, écoutez, on va faire ça. C'est pas très grave. Hop. Au pire, on sortira de la mine plus tôt. C'est pas très dangereux. Grave, grave, grave. On va s'en sortir. Donc, on va aller au centre communal déposer des choses. Parce que comme ça nous fait avancer sur cette petite quête. Et ensuite, on va aller voir au spa ce que c'est, tout simplement. Parce que j'y suis jamais allée. Donc, je me dis que ça peut être sympa. Est-ce qu'on passe chez Pierre? Ouais, on peut voir en combien de temps ça pousse les choses. On est le 21. Salut! Le 21, les amis. Punaise, c'est pas ce que je voulais faire. En 6 jours. En 3 jours. En 5 jours. En 13 jours. En 12 jours. 8 jours. Le pavot, 7 jours. Donc le moins, c'est le blé. Donc on va se blinder en blé, les amis, pour essayer de tout simplement avoir une bonne récolte de blé à la ferme. Donc ouais, on va plutôt faire ça, vous savez quoi. Comme ça, on va se faire de l'oseille. On va plutôt qu'aller à la mine. Hop, alors le centre communal, il est là-haut, donc c'est parti. Hop, ah, on prend, on mettra à vendre tout ça. On peut même en donner une à Marnie si on veut. Mais pour l'instant, d'accord, du quartz, c'est le quartz, elle aime bien ça. Donc, hop, allez, c'est parti. Alors, on est good. Hop, allez, l'eau, c'est parti. Alors. C'est pas ici, bien évidemment. Sauf si c'était trop simple. C'est ici. Et ici, il nous faut une myrtille. Yes! Alors, qu'est-ce qu'on va gagner en échange? Arroseur de luxe! Wouh! Arrose les 8 cases adjacentes tous les matins. Oh, c'est trop bien! Ah, je suis ravie, les amis. Ah, j'ai dû vous déglinguer les oreilles, mais je suis ravie. Alors, tac, donc ça j'ai pas. Ça j'ai pas. Ah, il nous faut pas du coup de petites prunes sauvages. Non, il n'en veut pas. Je pensais qu'il lui fallait du foin quelque part. Non? Non? Et l'eau, elle a craqué? Et l'eau, elle a craqué, les amis. Rien ne va plus. Peut-être que c'est pas ici, que c'est de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? On a la loterie? On a la loterie. Ok, moi bien. Oh, je suis trop contente, on a un arrosoir! C'est trop la vie! Ah, si, vous voyez! Ah, j'étais pas complètement tarée, ça va. Ça va, les amis.
Ah oui, il nous faut une petite prune. Et là, il nous faut une mûre. Noisette, champignon commun. Donc, comment je vais faire pour avoir des champignons? Moi, bon sang de bonsoir. Et l'ardizi. Nice! Encore une autre récompense. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois? Graines estivales. Un assortiment de graines estivales sauvages. Estivales, c'est-à-dire. Je sais pas trop les amis là. C'est pas trop. Bon, on a fait deux quêtes. Écoutez, moi je dis que c'est trop bien. On avance et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire là? Qu'est-ce qui va se passer encore? Ah ouais, ça nous a mis un nouveau livre. On va aller voir. Allez, c'est parti. Oh, l'arrosoir, je suis tellement contente qu'il nous ait donné ça. Oh là là. Alors là, c'est tout ce qui concerne la pêche. Donc il va falloir que je m'y mette un jour. Le truc que je déteste. Ah, d'accord. C'est des trucs à acheter. Ok. D'accord. Bah, vous savez quoi? On va pas faire ça tout de suite, hein. Très clairement, les amis, j'ai envie de garder l'argent pour bah, avancer la base, quoi. Parce que tout simplement, il va nous falloir une cuisine pour pouvoir faire des choses et pouvoir être plus facilement amis avec les gens. Voilà, hein. Non, hello. Donc, aile de chauve-souris et tout. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne la grotte. Ouais, donc il va falloir qu'on fasse tout ça à terme. Bon bah écoutez, hein, il va falloir qu'on progresse dans la grotte pour ça. Donc là c'est tout ce qui concerne la pêche, là-bas tout ce qui est alimentaire. Ouais, ok, on a tout, tout, tout vu. Et bah c'est parti, on va à la maison, on va l'agrandir notre zone de champ. Ah non, j'ai dit qu'on allait au spa. Je veux voir ce que c'est. Ah, il y a Démétrius, dommage. J'ai pas ce que tu voulais. Alors. Alors comment on fait pour aller au spa là, bon sang? La calamité. Donc là comme ça. Ok. Donc il faut qu'on prenne la route qui est là-bas. Ah, il y a le toupib. Bon, je prends pas le temps de leur parler, mais vous inquiétez pas. C'est pas le plus grave du monde. Alors, j'ai vraiment envie d'avancer notre aventure ici. Ah, oh, ça me saoule. En vrai, on passe à travers les buissons, on les pousse IRL. Bon sang de bonsoir. Non, 10 000 gold. Oh là là, ça va coûter tellement cher. Ah, c'est ça? C'est ça le spa? Ouais, c'est marqué dessus. Nice. Alors, on rentre. Bah, on est une femme, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Un maillot de bain. C'est trop fort. Ah, nice. Ah, c'est bien foutu les gens. Et notre barre d'énergie, elle remonte. Vache, c'est trop bien. Oh, mais c'est complètement pété ce truc. Et ça remonte assez vite, je trouve. Wow. Ah, c'est trop bien. On a trouvé une source pour avoir de l'énergie. Oh les amis, c'est complètement cheat. Mais complètement là. Bon allez, c'est parti. On va à la maison cette fois. Il est 15 h 10. On va l'agrandir nos champs. Eh, vous savez quoi? J'ai envie de racheter d'autres graines. Hein. Parce que là, franchement, cette histoire d'énergie, c'est ouf. Alors, on redescend. On croise personne. Bon, on a croisé les autres loustiques tout à l'heure, mais je n'ai pas spécialement envie de leur parler. Hop. En tout cas, je suis contente d'en avancer les quêtes au niveau des Juminos. Ah, la femme de pierre, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça. Aujourd'hui, je vais me relaxer et positiver. Tu ne prends jamais 2 jours de congé. Non, ça n'existe pas, les congés, madame. C'est impossible. Mais impossible n'est pas français, c'est pas ce qu'on dit. Alors, on va racheter 10 graines, vous savez quoi? Ah, oh, salut Jody! Mais que vais-je bien pouvoir faire pour le dîner? Soupir. Ah, ça y est. Des fois, ça galère et des fois, je sais pas. Je comprends pas trop ce truc. Hop!
Donc c'est parti, on va aller mettre tout ça. Donc hop. On va essayer de se faire en sorte de gagner la blinde de pognon, voilà, hein, clairement. Pour s'occuper de la maison, donc il va falloir qu'on récupère aussi du bois, etc. Mais voilà, on va déjà s'occuper d'avoir l'argent. Parce que sans l'argent, bah on fera que dalle. On va pas se mentir, mais en tout cas, la découverte du spa, ça va bien nous aider. Hop, alors c'est parti. Ma petite. Eh, je peux encore mettre des trucs ici, vous voyez. On a du fertilisant et tout. Hop. C'est parti. Alors, tac. C'est parti. Alors, on va agrandir tout ça, les amis. Et comme ça va nous aider. Ça, je sais pas du tout en combien de temps ça va pousser. Par contre, c'est ça qui est dommage, vu que c'est un truc que je n'avais jamais eu. Et c'est pas écrit. Donc, j'espère que ça va pousser avant la fin d'été et que ça va pas se perdre. Parce que quand on est passé du printemps. Non, de. Bon, je sais plus de quelle saison. Normalement, c'est ça, c'était du printemps à l'été. On avait eu beaucoup de soucis, si vous vous souvenez. Ça a été la calamité. Hop, hop, donc ça, donc c'est parti, on va faire une zone de champ ici, à côté. Ah, je trouve ça tellement galère de. Ah, c'est cool, on a de l'argile. Ah oui, c'est vrai qu'il faut être un en arrière, c'est pas comme quand on arrose. Alors, vous savez quoi? Je vais planter tout ça et je reprends tout de suite après, les amis. Alors les amis, je vous retrouve. Donc j'ai planté le blé, j'ai mis l'arrosoir, donc 8 cases. Donc je sais pas trop 8 cases de ce qu'il entend par là. Donc pour le moment, je l'ai mis en plein milieu de ma zone de 5. Donc je vais passer un coup de houe ici. Hop. Ça on va voir s'il va arroser ce qui est là quand il fera jour. On va aller voir nos petits poulets, histoire de voir comment ils vont quand même. Hein. Ça serait bien de prendre soin d'eux. Je leur remets du foin, comme ça ils ont tout ce qu'il faut. Donc en tout cas, on a un cœur avec Marnie. On a avancé au niveau du centre communal. On a agrandi nos champs pour essayer d'avoir de l'oseille. Faut que j'aille mettre tout ça en vente. Hop. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre que je pourrais vendre? Rien du tout. Ah, j'ai pas planté la graine de radis. On va le faire vite fait. Vous savez quoi? Je me suis fait, donc autant la planter. Par contre. On avait mis un fruit là-dedans, on n'a toujours rien. Ah, je suis pas. Si, je suis allée à la grotte tout à l'heure, mais c'était le jour d'avant, je crois. Alors, il est 23h30, donc il faut faire gaffe. Il n'y a rien, ok, on sort. Elles sont assez terrifiantes quand même, les chauves-souris, le bruit qu'elles font. Donc, c'est parti, on va faire dodo, les amis. Il s'est passé 2 jours dans le jeu, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode, comme ça il sera pas trop long. La prochaine fois, on essaie de récupérer le caleçon de Lewis. Donc les amis, je vous laisse là pour cet épisode. Portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Des bisous à tous, bye bye.